Alors la préparation, ben, c'était un peu compliqué, je pense, comme pour tout le monde. Donc on a attaqué mi-août, mais avec très peu de personnes. Voilà, ça fait vraiment une semaine, une grosse semaine où on s'entraîne tout ensemble. Donc forcément, la fluidité en match, la fluidité offensive, ça en est ressenti. Donc voilà, après défensivement, quand on y met le mental, il n'y a pas besoin de s'entraîner, on le sait. Mais bon, voilà, c'était un peu compliqué. Préparation un peu courte. Alors, ben, ce premier match était un peu compliqué, on ne savait pas trop où on allait. Par contre, voilà, le résultat est là, c'était ce qu'on était venu chercher, la victoire. Voilà, on l'a, il y a 20 points, j'ai pu faire tourner, jouer tout le monde. Donc, c'est parfait. Alors, la saison dernière, l'équipe a fini deuxième du championnat. Voilà, donc on a eu un changement de coach, donc moi qui suis arrivé. Et puis, quelques nouvelles joueuses aussi, des jeunes. Donc voilà, on remodèle un peu tout ça. Donc l'objectif de la saison, c'est quand même d'essayer de terminer dans les quatre premières et d'essayer de jouer les troubles faites pour la première place. On verra comment ça se passera. Alors les équipes qui se détachent, je pense, sur cette saison, je pense que, à mon avis, les équipes secondaires, c'est-à-dire Cournon, Beaumont, l'ASM, donc elles auront quand même un vivier plutôt intéressant. Voilà, Cournon se dégage à mon avis sur une équipe très, très physique et très technique à tous les postes. Donc voilà, je pense que Cournon pour moi est le favori. Après, on a quand même Ponduche et Saint-Jacques qui vont être quand même là. Alors, je m'appelle Fanny Dajou, j'ai 32 ans, je joue au CSV depuis 8 ans. J'ai évolué dans les catégories jeunes à Langres. Et ensuite, en catégorie senior, je suis partie un peu à Beaumont, un peu à Maréchal, et pour revenir ensuite à Ponce. Alors la préparation, au vu de la date de début de championnat, on a dû attaquer le 12 août. Donc ça a été difficile, et le temps que toutes les filles reviennent de vacances, ça a été un petit peu compliqué. Donc on va dire que le début de championnat, c'est du rodage, le temps qu'on trouve un peu le collectif. Je pense que la poule est assez hétérogène. C'est-à-dire qu'il y aura une tête de championnat, il y aura aussi des équipes, je pense, qui vont être en difficulté. Ouais. Et objectivement, je pense que Cournon se détache. Il y aura Cournon qui va se détacher. Donc, à voir. Le titre de MVP, en soi, je suis contente, mais ça m'est un petit peu égal. Le but, c'est la victoire. Vraiment, je ne fais pas de langue de bois, mais c'est la victoire collective. Ouais. Donc, voilà.